Mesdames et messieurs, qui sa nouvelle là hier? Eh bien, hier soir, bagay la pat piti nan menti, messieurs, 103 zombie nan grisye. Eh bien, la police envahit ti messieurs, eh bien, garçon tombé, tankou mango pourri. Rete la tout détail yo avini, gen chef gang grisya, et nous mette commencé, mette absent pour li, parce que la police décide fini avec ti messieurs qui gen bout de fait illégal nan pays. Gen la police qui recevra yon vingtaine blindés. Et cette fois-ci, blindé sa yo, c'est pas même blindé bon cathédrale que la police te recevoir. Eh bien, c'est des blindés qui est vraiment sophistiqué, bagay qui normal. Si que la police pas gagné gang en dans vraiment vrai, il faut que yo prouver que yo ka bataille. Bien rete là, tout détail yo a venir. La police gagne pour recevoir 5 hélicoptères dans 4 batailles qu'a mené contre gang en dedans pays. Très important. Salvador gagne 300 police par 100 000 habitants plus 4200 militaires pour moitié population. Pour le faire face avec situation de sécurité par lui, Gary, ça prend 2 ans pour y avoir des avancées significatives. Jamaïque, ça prend 10 ans avec 3 fois plus de police par habitant et l'armée que nous-mêmes. On va rappeler que Haïti a gagné l'armée le tout. Si nous avons gagné l'autre jour, là, on va suivre, monsieur, on va suivre. Salvador a fait une opération contre gang, il voit 500 police, 2500 militaires. Donc il n'y a pas de doute, je dis, et tout le monde reconnaît lui, il y a une composante de l'insécurité qui réclamait une capacité militaire. Malheureusement, nous pas et c'est l'INA fortifié là. Donc, ça me dit par là, c'est qui sont tellement promis? Qui ça? L'on fait constat ça? Qui sont fait de l'arrivée à jeudi? Qui sont fait? Première démarche là, c'était constater avec les partenaires que toute estimation était faite de situation de sécurité était insuffisante. Nous besoin d'autres types d'équipement, nous besoin beaucoup plus d'appui, nous besoin des matériels plus sophistiqués et nous besoin des formations pour police nous qui passent à l'autabaye jusqu'à présent parce que nous avons fait face à un ennemi qui gagne l'autre capacité, l'autre atout. Donc nous voyager, nous avons songé ça, tout le monde dit nous pas doué. Mais nous courons dit partenaires nous que j'en nous planifie appui, j'en a planifié, bon, mais non, c'est pas ça me besoin. Et ça a fait son chemin. Deuxième bail nous fait, c'est que nous garder pour nous avec ressources nous gagnons en attendant que nous obtenions, avec ressources nous gagnons comment nous améliorer capacité pas nous pour nous défendre tête nous. Donc c'est comme ça nous prenons des mesures immédiates pour nous bailler la police que nous gagnons capacité pour nous défendre. Gary, je dis, la police là active sous 13, 14 fronts différents. Police, je dis, octobre, novembre, non. C'est pas police nous gagnons en juillet. C'est pas police nous voulons gagner parce que nous travaillons avec toujours, il y a renforcé, il y a balle les moyens, il y a balle formation, il y a augmenté le nombre d'unités. Nous gagnons 700 là qui prennent formation au mois de juillet. Nous avons 500 sorties dans force spécialisée. Nous travaillons pour renforcer l'armée, nous créer des opérations conjointes entre militaires et la police. Et c'est ça qui permet nous aujourd'hui de résister sous 13, 14 fronts différents et en même temps. La police a répondu à l'alerte. La police nationale a montré le présent. L'œil obligé de réagir. Et évidemment, dans la mesure de ses moyens, mais comme dit, avec un nombre, avec un chiffre qui peut qu'au sale pour nous gagner une bataille là. Parce que l'objectif là, gars, c'est pas pour me prendre tête ou bien pour me prendre deux têtes, c'est pour me gagner une bataille là. C'est pour tout haïtien qui a la caillou, c'est pour route l'ouvrir. Vous êtes en devant, vous faites ça. Et pour se faire, c'est qu'on est en bonne voie d'avoir les ressources et les capacités que nous besoin pour nous capables approcher question sécurité avec détermination et de manière définitive. C'est pour mettre ça que nous fait peuple haïtien. Est-ce que, Premier ministre, c'est à cause de constat ça qui fait et gagner parole et mercenaires au cap paléa, ça veut dire pour renforcer la police pour faire opération, bah nos vérités dans ce question mercenaire parce que c'est PTA très inquiète donc tu es invité ou, donc dis-nous question mercenaire là ça lié parce qu'on est mercenaire au tué président déjà donc gagne en difficulté dans le pays là mercenaire t'es venu tout pendant t'es gros problème et qu'est-ce qu'off besoin de boule. Donc depuis les mercenaires et sous Jean-Henri Séan gon parole mercenaire t'es parlé et t'es gros problème sous Jean-Henri Séan jodi à mercenaire encore. Quelle est la vérité sur cette question de mercenaires qui sont en Haïti? Gary, moi, je me ça est vraiment pas une question mercenaire. Scoop. Mais ça, je me dis, c'est que je peux utiliser tout moyen que je gagne même. Tout moyen que la loi a ben moi. Tout moyen qui est à l'intérieur de la légalité. Pour que police nationale d'Haïti, police peuple haïtien, ait les moyens qu'il faut pour le pape du Solino, pour le défendre en caille, pour le protéger pour son dé, pour l'intervenu grissier,
pour continuer à protéger la population. Mais pas avec des mercenaires. Absolument. Tous les instruments légaux, la loi, m'a utilisé en tant que chef CSPN. Rappelons que responsabilité, pas moi en tant que premier ministre, c'est de assurer que le policier a fait un constat, le DG police a fait un constat, que il a besoin de tel type d'appui pour le capable de faire travail. Il vient joindre nous, la CSPN, il dit nous. Mais ça nous besoin pour nous capables d'opérer. Responsabilité PAM, c'est assurer que la police la joigne. C'est comme ça le fonctionne à l'intérieur de CSPN. Et l'engagement que mien, c'est ça. Par contre, Mabdou, conseil de bail qui n'est pas traité dans la rue, et pas doit traiter dans la rue. Conseil de bail qui doit hériter des secrets d'État. Est-ce qu'on parle avec CPT sur la question ça? Nous avons très 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 bonne réunion avant-hier avec CTPA. Sur cette question. Nous élaborer. En plus de détails, comment nous voyons la stratégie sécurité à côté CSPN pour aller, qui disposition prend pour renforcer la capacité de nous pour nous capables d'agir. Et moi-même, j'étais très satisfait. Est-ce que vous-même, vous comprenez la dynamique, l'explication sur la question nationale? M'espérez ça, Gary, m'espérez ça. Parce que même pour moi, position, c'est toujours particulièrement avec le président Voltaire, c'est Chita Avel, c'est Consamde Eto avec le président Leblanc, c'est Chita Aveli, discuter avec elle, présenter les questions, les problèmes, les solutions, prendre feedback et puis avancer. Très bien. À Scoop, nous avons construit une structure de diffusion d'informations basée sur l'objectivité. Depuis notre fondation, nous avons produit des actes et des enquêtes dans des dossiers importants de la République. Nous sommes plateforme équilibrée. C'est en ce sens que nous allons passer le maillet à notre directeur à l'information pour continuer l'interview. Mano, rebonjour. Rebonjour, CVPC. Rebonjour à Premier ministre Kari Koni. PM, et première question, moyen pour vous. Et 4 mois et 2 mois de budget. Est-ce que déjà nous évaluons la performance du gouvernement? Moi, nous avons songé que l'un début gouvernement, en premier ça nous fait, c'est que nous devons mettre toutes ministres ensemble pour nous mettre une feuille de route. Chaque ministre a une feuille de route détaillée de ça pour le faire, de type d'activité. C'est sous base ça que nous réunissons régulièrement avec les ministres pour nous un niveau de progrès. Mkadou, je suis bien content de poser une question. Nous héritons d'une situation qui est excessivement complexe. En plus, la mission, même bureau, il n'y a pas de gain. Budget, il y a perdu 20-25% de staff, il n'y a pas là, de cadres qui quittent le pays. Donc, premier moment, qui est ton premier moment d'évaluation, de définition des besoins, de mise en place d'une stratégie, il prend temps pour le point. J'en dis là, bien quand on dit ça, ça fait 2 mois seulement depuis Minicio, grand budget. Donc c'est sous base ça, m'obliger à évaluer. Évidemment, lors de la population, hein, tout ça, c'est parole. Parce que 4 mois, c'est 4 ans. Soit vivre longtemps, soit pas qu'à la caille, soit pas qu'à l'hôpital, soit pas qu'à joindre soin. Donc nous comprenons l'impatience de la population. Dans une certaine mesure, il est tout à fait légitime. Mais 4 mois, c'est 4 mois, particulièrement dans un pays comme Haïti. M'kadou quand même, m'karassure quand même, équipe gouvernementale, moi gen là, avec nombre de ministres, moi gen là, moi oué à zyum, que vous mettez le, vous passez jour, vous pas dormi, parce que vous avez besoin de solution pour aider pays. Autrement, mettre quoi m'a tapé une seconde dans le gouvernement. C'est ça qui rassure. Maintenant, le résultat va prendre un petit peu de temps. Et ça, je pense que les gens doivent comprendre ceci. Et c'est comme ça qu'il va pas passer. Mais oui, en 4 mois, ça nous fait, nous font premier budget rectificatif, nous font deuxième budget, nous mettons en place un gouvernement en une semaine, nous évaluer besoin de la police, nous changer chef la police, là, nous changer chef l'armée. Il faut bailler autant eux-mêmes pour faire évaluation, pour mettre un nouvel état-major, pour faire évaluation par eux de sécurité, pour mettre en place une stratégie, pour équiper tête, pour faire stratégie, pour commencer à bouger sous stratégie. Et en même temps, il y a bougé sous stratégie, il y a gagné des attaques. Il y a gagné des attaques qui sont dans différents points, il faut réorganiser, pour continuer à défendre le pays. Donc, un processus qui demande des temps, qui demande des efforts, et enfin, qui demande des patience. C'est ça qui fait nous croire que l'important, et bien quand on pose une question, ça, que l'accord 3 avril, là, qui c'est socle, qui c'est base, qui c'est sous légitimité gouvernement, nous pas élu, à quoi 4 avril l'a mandé pour une structure qui relève au CAG. Société civile là, avec des gens, des mondes comme Ronnie DeRoche, comme Edouard Poultre,
yo réuni ensemble et yo fait nous proposition de OCAG. Et yo voyé proposition ça tout by présidence là. Me trouvé que son proposition qui excellent. Moi dit président Voltaire en avancer rapidement en signer OCAG là, cap ban nous structure indépendante ça qui pas justement évaluer performance gouvernement incluant performance PAM et cap cap by public là et population compte rendu indépendant et autonome sous Jean gouvernement a fonctionné. Là ça pas besoin demander non, on a un groupe mon indépendant cap kadou qui ministre cap fonctionner bien qui ministre. Donc n'a réitéré encore urgence là, n'a profité du micro pour encourager président Voltaire convaincre CPTA en avancer là au Kagla pour nous gagner instrument neutre ça sous la base de propositions que société civile là fait nous de structure ça. Tenant compte de auto-évaluation nous fait pendant cette période ça. Est-ce que il y a lieu de parler de remaniement? Autrement dit, est-ce qu'il y a une nécessité pour que tu aies un passe-main qui est fait dans le gouvernement? Écoute, j'aime dire là, même leur situation normale généralement, lors d'un parlement, qu'on période de grâce côté ou pas convoqué au ministre avant 6 mois. Particulièrement lorsqu'on connaît que ministre, et encore une fois, on a rappelé, la plupart des ministres, c'est pas moi qui choisis, donc c'est pas pour me dire, pour dire que Gary Kony, premier ministre, a essayé de défendre le monde, il mettait, ou bien si qu'on parle, ou bien si on parle. Mais généralement, on peut. La population a pensé et ou choisi, hein, ministre, notamment les ministères régaliens, ministres régaliens. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. C'est son choix, ou fait de manière délibéré. Je ne souhaite expliquer tout à l'heure. Base à quoi 3 avril, là, c'est que ces secteurs, c'est parti pour une autre qui a monté gouvernement. Mm-hmm. C'est pour ça que l'MVNI, ministère de l'éducation, ministère et environnement qui est responsable à assainissement, ministère de travaux publics, ministère qui vraiment bien pied à terre, c'est CPTA qui, dans leur sagesse, choisit. Et m'a couru dire encore une fois, collaboration très très bonne avec eux jusqu'à présent. Et ministre Galien, j'en m'explique, parce que nous t'évelé que nous neutre, nous pas que son parti qui choisit un ministre des Finances, nous t'ai demandé moi-même, pour moi-même, moi proposer des noms, que nous proposer que nous-mêmes, en finalité, nous choisi. Donc 100% ministre qui l'a, nous choisi par CPTA. 10 choisis uniquement par CPTA, 4 choisis sous la base de propositions que c'est moi qui fais. Mais n'en déplaise, ça qui intéresse les populations, lui-même, c'est même pas ça, c'est qui leur vie l'a changé, qui leur situation pas l'a pas améliorée. Si m'te quoi je dis à la que si me change au ministre, ça veut dire que m'pap gen 700 000 moun nan kan déplacer encore. Si m'te quoi je dis à que si me change au ministre, situation sécurité a pas amélioré. Si m'te quoi je dis à que 50% population k'ap vive l'insécurité alimentaire. Si me change au ministre, situation n'a pas amélioré, m'tap changer ministre, m'tap devant pour me changer ministre. Mais moi quoi la évaluation que me fait, c'est que ça fait 2 mois depuis au grand budget, ça à quoi 3 avril là prévoit comment pour changer ministre, comment pour faire réforme, constitution dit comment pour bailler ça au fait si c'est lui qu'on voulait choisir comme référence. Moi quoi fondamentalement que forme bailler ministre en opportunité pour faire travail avant que me dit que m'a changer l'autrement. Chaque 2 mois, chaque 3 mois, m'a changé ministre. Et l'autre bas encore qui vient plus grave, monde qui t'a voulu venir servir pays a pas pris chance venir servir pays a parce que vous connaissez bah il est difficile s'il y a le risque après 2-3 mois sur des bases qui pas claires. Il y a eu le téléphone, il y a dit qu'il a changé. Donc, tout ceci pour dire que, remaniement ou pas remaniement, moi-même, moi tout à fait pour, même proposer une approche, une méthodologie qui est transparente, qui est ouverte et qui est basée sur la bonne gouvernance. Donc, moi, dit, on chita ensemble avec le président, on fait une évaluation sous base feuille de route, on garde pour nous si un ministre vraiment, vraiment, qui par rapport à l'autre chose, pas arriver à comprendre le métier, pas arriver à débloquer, on retourne à secteur, parce que ça, c'est très important. You know, bagay nous pas de fait suffisamment à mon avis en juillet, mais à coup pas je prends toute responsabilité sur ça, c'est que nous pas de consultation large ça avec secteur, moi même moi pas de dialogue avec secteur et à quoi 3 avril là proposer comment pour choisir ministre. Je prends méthodologie moi même je l'avoue parce que je vais aller vite, je connais population à tant de résultats, je vais monter au gouvernement, je vais aller dans 2 mois, mais j'avoue que à quoi 3 avril là très clair que c'est secteur pour te proposer des noms et puis que pour te permettre de choisir. Donc si nous faisons un remaniement, je voulais que le secteur soit autour de la table. Je voulais faire le sang. Si nous faisons une évaluation de performance, nous voulons que le secteur là. Deuxième bail, nous dit on met au CAG là, on fait vite. Parce que au CAG là, après, on a la question qui ministre qui doit, qui ministre qui pas doit. Tu vois, et troisième bail encore nous dit on assure une fois ça, on assure que la transition retrouve les centres. Moi, quand pile le monde positionne les bagailles comme étant un conflit, premier ministre.
CPT. Non. Le but aujourd'hui, c'est de recentrer la transition autour de l'accord du 3 avril, qui c'est ça que mettez-nous là, et qui c'est ça que ben, nous le peu de légitimité nous gagnons, puisque nous n'avons pas élu. Nous n'avons pas légitimité du peuple. Donc, on retourne à lui. On ne pas faire un bail pour éviter. On ne pas mettre au ministre, retirer au ministre qui c'est mon pam, mettre au ministre qui c'est mon pao. On ne fait l'on gens pour la population sentir vraiment que n'a pas avancé dans le sens de ses intérêts. Pour qui ça, monsieur le Premier ministre, pour ne pas répondre à l'invitation, CPT, l'invitation était fort hier matin. Comme je m'explique, j'écris sous ça, je gagne des empêchements. Son lettre que monsieur Voitard la veille et nous avions des engagements incompréhensible ce matin qui sont d'urgence et me déjà avec eux l'avant-veille donc m'expliquer gentiment ce qui se fait ce dialogue que nous gagnons régulièrement pour me dire que moi à leur disposition mais malheureusement je dis à l'heure que vous t'ai proposé non le pas possible et m'a rappelé tout monde que pour un ministre qui pour le fontier passé là-bas nous seulement 20 minutes n'a pas posé toute question mais diaspora sont relé là un gros leader dans diaspora qui m'a dit est-ce que a une chance pour moi décembre là pour au moins qu'a venir une famille en Haïti. Je vous dis le consacré déjà, si c'est mon cap, folle à l'ocap, et nous voulons que l'entre, si c'est mon cap, folle à l'ocap, si c'est mon Jacques Mel, folle vini, je vous réponds que oui, absolument, folle vini, folle vini, poté, collé, folle vini, dépenser l'argent dans le pays, folle vini, aider l'économie à relancer, et folle vini, confiance que le gouvernement, avec une police, cap travail, ça, vous avez pour être capable de bailler la sécurité. Et me dis-nous que nous pouvons aller dans le bon sens. Je connais que ça prend temps, je connais que nous pouvons avoir des résultats, nous mais moi même qu'a dit nous que mise en place qui pour faite pour gagner bataille là mise en place que moi même m'a évalué au jour le jour mise en place à faire évidemment nous grand pile pour nous faire toujours bah yo pas facile il y a des avancées que nous gagnons que pas qu'à partager à la population aujourd'hui même qu'a dit nous que gain des avancées m'a pour prendre ça me toujours dit nous film ça pas qu'un l'autre Jean le fini la victoire sera au peuple haïtien moi m'a donc si patience on petit solidarité toujours mais n'a pas avancé. Nous allons permettre Davidson, notre collaborateur, de poser des questions. Tout maintenant, avant et pour le ministre, nous sommes à la qui attire l'attention, nécessité pour impliquer davantage les secteurs dans l'éventuel remaniement, si possible, qui a bien pour faire dans le gouvernement. Et c'est sûr que ou déjà, tant mais, si tu as parlé avec certains dans le secteur ça, et il y a eu de ras-le-bol, il y a eu des bails, il y a eu 18 avant, et parmi eux, et nécessité pour que et situation trois conseillers qui impliqués dans ce scandale BNC hein, et yota écarté au dans et conseil présidentiel là donc étant donné que et ça ca pas dépendre de où mais aussi yon branche dans exécutif là tout et qui j'ont ouais question ça est-ce qu'on estime pour ta gagner un changement qui fait dans gouvernement et faut d'abord, et trois monsieur Sao qui impliqué dans ce scandale, mais corruption BNC, ils ont écarté. Mano, merci pour la question. Ça, il faut nous dire sans entrer dans les détails. Il y a encore, m'écrit président Voltaire, sous ça. C'est absolument important que CPT a prononcé le sous question ça. C'est pas un rôle moins pour me dire moi-même et me blesser clair si pour aller ou bien pas aller, quel est leur devenir. Même penser que c'est archi important que CPT a d'une voix dit population haïtienne, non? Même position, mais ça est pensé pour population haïtienne non qu'à comprendre. Même penser que c'est toujours irresponsable pour leader. Pour éviter de prendre position sur des sujets parce que c'est difficile. Ça, c'est conviction. Pas, mais nous, ça, quelle que soit la question posée, moi, toujours pareil pour me répondre. Donc, je dis, oui, je crois que l'important, effectivement, j'en dis, nous rencontrer secteur qui a des vues très, très fermes sur ça. Ils ont exprimé, ils ont partagé frustration. Et donc, je pense que plus que jamais, je vais encourager le président Voltaire pour le travail avec l'autre membre CPT pour être capable de vindre la nation. Qui position yo sous question ça. M'a profité de dire et bien quand on pose une question hein, parce que dans une certaine mesure ça a handicapé gouvernance là. M'espérer que par exemple après quatre semaines ça yo que nous pas gain conseil des ministres, président Voltaire a rapidement organisé un conseil des ministres pour nous parce que ça fait 4 semaines que nous pas réunis.
Et nous gagnons des dossiers urgents. Nous te soumettons la formation d'un fonds spécial de sécurité que nous besoin en urgence. Parce que c'est à fond ça que je vais servir pour m'améliorer la qualité d'assurance policière. C'est à fond ça que je vais servir pour m'acheter équipement pour les policiers. C'est à fond ça que je vais servir pour me bailler meilleurs bénéfices à policiers. Ce sont fonds que nous besoin. Nous gagnons plusieurs directions générales qui ont problème. Ça fait longtemps que nous besoin avancer sur eux. Dont notamment, il y a deux qui même plus urgents. Nous besoin CPTA et nous espérer que le président Voltaire travaille avec CPTA. Pour convoquer l'autre conseil des ministres pour nous avancer sur yo, nous avons besoin d'avancer sous mairie yo. Donc on a profité de dire que nous croyons que l'essentiel pour quatre bagailles faites là dans l'urgence. CPTA a convoqué la réunion des états généraux des secteurs, ça veut dire de l'assemblée des secteurs pour qu'on dialogue avec eux, retourner yo comme un pape en position comme influenceur du processus, comme témoin du processus, comme garant de cette transition. Deuxièmement, faire au CAGLA, mettre au CAGLA en place rapidement sur la base de propositions. Troisièmement, rapidement tout, avancer sous Conseil national de sécurité. Et quatrièmement, j'en dis, dix populations, by population, positionnées sous question. Trois membres du CPT, dont nous avons cité, l'un a fait la justice qui prend le premier. Oui, bonjour Mano, bonjour Monsieur le Premier ministre. Rapidement, j'ai trois questions. Et qui n'est pas trop longue. Il y a un peu de monde qui estimait que le retour vers le secteur, c'est parce que manquait une collaboration entre ou même avec CPTA. Et dans plusieurs interventions que vous faites, vous montrez une bonne collaboration. Et il y a plusieurs instances qui ont gagné un problème au niveau de CPTA. Est-ce que la collaboration n'est pas liée à c'est un idéal ou son réalité? Nous avons 4 mois. Sur 3 premiers mois, en une semaine, nous montons un gouvernement. Mm-hmm. Nous montons CEP, nous montons un comité pour réforme constitutionnelle. Nous avançons sur plusieurs dossiers ensemble. Nous approuvons un budget rectificatif. Nous créons un nouveau budget. Nous rencontrons chaque vendredi ensemble pour discuter de situation au pays. Nous organisons ensemble avec CPT, président CPT d'alors là, on voyage à New York. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas dire que la collaboration n'est pas bonne. Donc, maintenant, c'est vrai, c'est un constat général que depuis environ 4 semaines, moins de 2 mois, il y a des petites difficultés que nous avons résoudre, que nous ouvert à résoudre. Pas plus tard que lundi, j'étais avec CPTA, semaine passée, j'ai été invité, m'avait. Chaque fois, j'ai invité, toujours joindre nos gens pour m'adjoindre et pour nous chita, pour nous dialoguer de la manière la plus transparente que possible. C'est ça qui fait d'ailleurs que nous confions, nous vraiment confions, que cette période de latence de 4 semaines, ça, côté que bah, il ne pas avancer, que rapidement il y a pour prendre forme, que CBTA a pour recommencer encore dynamique là. Et puis, vous êtes pendant même d'accord avant, faut apprendre de leçons 3 premiers mois. Il faut nous voir ça qui a marché, il faut nous voir ça qui n'a pas marché, il faut ajuster. Et je crois qu'il y a un problème qui ferait perdre de confiance dans le leadership transition, c'est parce que le parti prenante, justement, il n'y a pas autour de la table. C'est pour elle d'ailleurs, pile là d'ailleurs, dénoncer propre monde que vous dévoyez dans CPTA. Mm-hmm. Donc, il faut réconcilier cette structure. Il faut la réétablir parce que, j'aime ça dit tout à l'heure, c'est la seule source de légitimité que nous gagnons. Donc, nous ne pouvons pas perdre. Deuxième question rapidement, monsieur le Premier ministre. Gampil Moun qui pensait que, qui estimait, parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous la rue, nous parlons avec nous, que vous publiez en pile photo, en pile vidéo, et vous obtenez un Premier ministre qui est plus ou moins athéen, ou bien dans le sens, et poser des actions au lieu, et c'est des images tout le temps qui l'a posté sur les réseaux. Qui a vu concernant. Avim, c'est que population, dans la mesure du possible, doit connaître ça. Premier ministre, li, sa gouvernement l'a fait. Mm-hmm. Donc, il est important pour communiquer, pour faire le connaître à la fois l'opportunité qu'on gagne et défi qu'on gagne. Et je dis, il y a des instruments qui permettent tout, justement, partager avec la population ce qu'on a fait. Et il y a opportunité tout pour la population, bon feedback de ça le content, de ça le pas content. Ce que je cadre pour sûr, c'est que voilà, c'est assurer moi d'abord que l'institution qui est justement responsable de mise en œuvre, y a des moyens nécessaires pour faire travail. Yo. Nous sommes par exemple tout à l'heure, nous assurer que le ministère de l'Environnement y a suffisamment de moyens lui-même pour le café assainissement dans différentes communes. Et assurer que la police là, y a les moyens qu'il faut pour le café
travail. C'est assurer que une certaine cohésion et coordination, le monde qui a fait mise en œuvre pour ça capable marcher. Et puis évidemment, c'est la responsabilité de tenir imputable le monde qui pas fait travail. Et c'est voilà ça que nous obligés jouer, que nous essayons de jouer dans la mesure de nos moyens. Et j'aime dire là, nous comprendre que grand pile frustration et grand pile insatisfaction. C'est normal. Mais nous, là, tout pour une population, que parallèlement à ça, on peut courir comme résultat, mais ça qui a passé en arrière, qui a permis que très vite, on ait résultat ça. Dernière question, monsieur le Premier ministre, pour la vérité et pour l'histoire, et nomination directeur général, qui côté le bloqué? Est-ce que c'est bon côté pas ou bien bon côté CPTA? Nous écrit plusieurs fois, nous avons entendu avec CPTA dès le départ, que c'est eux-mêmes, encore une fois, basé sur le principe que moi-même, proposition PAM, c'est que nous avons ouvert nomination CPTO à la compétition. Pardon, nomination directeur général à la compétition. Mm-hmm. Nous venons avec une proposition côté sous besoin directeur, n'importe quelle institution, particulièrement ça avec des concentrés. L'ouvril, nous faisons compétition côté jeunes garçons, jeunes femmes, capables de venir présenter CV, faire argument et choisir ce qu'il faut. CPTA a d'avis même que non. Et que l'encadre d'accord là, ces secteurs, c'est eux-mêmes qui pour gagner une sorte de monopole, l'un prend décision ça. C'est avec quoi nous d'accord. C'est ainsi que depuis à peu près 2 mois, nous écrit CPTA plusieurs fois, nous demander s'il te plaît avancer sous proposition directeur général, mais pas seulement directeur général, mais avancer tout sous presque 50% mairie qui dysfonctionnel, sous délégué. C'est conviction profonde nous que ça sont urgence pour débloquer pays. Parce que évidemment, directeur général sont instruments essentiels de mise en œuvre. Donc, pour répondre directement à la question, par contre, si c'est bloqué, le bloqué, mais certainement, je dis, nous-mêmes, le gouvernement, nous, dans l'attente de conseil présidentiel, là, pour qu'on entende nous sur une liste de directeurs généraux, pour qu'on soit capable passer dans le conseil des ministres et pour qu'on capable commencer à faire travail. Voilà, donc, nous allons faire place avec Campagne Joseph et Campagne, bonjour. Bonjour, Mano, bonjour, monsieur le Premier ministre. Donc, on va aller direct. Où arriver en fait en Haïti dans un contexte difficile et international là qu'on est que vous avez venu et nous en fait qu'il y a plusieurs sources qui montrent que il y a des promesses qui faites et sous base ça où tu crois que où tu as venu là changement t'as déjà dérapé. Dis population, est-ce que communauté internationale l'a trompé ou de sous promesses ou bien il y a un coup il y a beaucoup arriver et respecter ça au début, Mathieu. Quand on va aller parmi le chemin, je suis très insatisfait du niveau d'engagement et de solidarité que me joignent de communauté internationale. Il faut comprendre que c'est aujourd'hui seulement assistance humanitaire là, c'est à 40% de ça, c'est inacceptable. Il faut comprendre que promesse que tu as fait nos 2500 personnes dans la force multinationale, là, qui est nettement insuffisant d'ailleurs, qui était là pour là en septembre, donc jusqu'à présent à 400. Il faut comprendre que l'aide publique au développement, c'est une plus bas qu'une jambe, l'on paye en crise. Donc, certainement, je ne vais pas cacher, non, que je me dis tout, que l'enfant haïtien, la jeune femme haïtienne qui souffre, n'est pas moins méritante que cette femme qui se trouve au Gaza ou en Ukraine. Et je continue à dire communauté internationale, que nous devons plus de solidarité. Mais ceci dit, tout, je profite à ajouter que moins joigne que ressources nous très mal utilisées. Corruption, c'est toujours un gros problème. Nous pensons que nous sommes beaucoup plus efficaces et efficients l'enjeu nous utiliser propre recette par nous, qui est déjà très bas, qui est déjà nettement insuffisant. Et c'est pour ça que pendant 4 mois, nous avons un budget, nous avons alloué plus l'argent pour l'éducation, nous renforcer l'argent pour la police, nous avons préparé pour faire l'élection. Est-ce que nous connaissons qu'aujourd'hui, presque moitié budget pour l'élection que nous déjà sécurisé, c'est des fonds haïtiens. Donc, il est nécessaire pour moi, en tant qu'haïtien, pendant que ma dit communauté internationale, que m'attend moi à plus, et au doué nous plus. Mais moi-même, tout m'a fait tout effort pam pour que je joue Wallman en tant que pays. Et c'est ça que je crois que nous faisons avec beaucoup plus d'efficacité. Et ça avance lentement. Donc, justement, pendant les 4 derniers mois, avec le ministère des Affaires étrangères, là, nous faisons plaidoyer extraordinaire et nous voyons des améliorations. Leur montrer Basket Fund qui était là pour fonds multinational sécurité a été à peu près à 30 millions, je dis à la presque 80 millions. C'est pas encore ce qu'il nous faut, on a besoin de beaucoup plus.
aide que nous joignons et j'ai appui budgétaire qui était bloqué depuis 2019 débloqué pour nous pour Anissa engagement et me voulait dire nous ça me compte on poser question il y a un problème qui était gagné avant nous arriver tout j'ai me dit avant notre arrivée monde qui t'a géré crise là était largement sous-estimé nous fait finir avec ministère des finances une évaluation post crise et alors que en pile monde était croit que rétablissement recouvrement t'a coûté dans les centaines de millions je dis à nous connaît que nous besoin 1.5 milliards à peu près pour nous mettre pays à sourail et pour nous redémarrer comme ça doit. Donc c'est tout ça qui peut être fait. Mais pour répondre simplement à ta question, communauté internationale là, doit qu'embe engagement et c'est responsabilité pour dire doit solidaire Haïti et nous pouvons satisfaire du tout de ça n'importe là. Très bien. Maintenant monsieur le Premier ministre et l'heure où tu parais comme on est cap vinn combattre corruption. Je dis en pile mon attend pour porter en revendication que eux-mêmes yo pas capoter à savoir que pas collaborer avec monsieur qui est impliqué dans corruption yo c'est-à-dire signer un document que monsieur qui dans CPT ou qui dans corruption mandé pour couper tête madame Dupuis que dit là ou gain de chantier avec international qui en cours est-ce que premier ministre Garry Conille prêt pour le passer comme un traître pendant que le pral chita avec conseil qui impliqué ou si un document mettez magistrat mettez délégué départemental et puis changer direction générale mettez ministre est-ce que premier ministre Garry Conille prêt pour le faire ça et si ou t'a fait qui gens pour population en haut j'en pose ces questions excessivement complexe mais m'a répondu trois bagailles. La première chose c'est que nous croyons que l'archi important pour CPT à prononcer sous question ça. Nous croyons que faut CPT à d'abord responsabilité première de dination côté bagaille ça y est c'est CPT à lui-même avant même que moi-même moi dit ça me penser ça me pas penser. Et c'est ça nous fait nous écrit nous mandé nous parler nous dit CPT à jodi à là un processus qui très avancé ou pas carrément en silence encore gain lettre cap sorti gain juge d'instruction en place selon ça me comprendre à partir de média il y a archi important pour vous pour dit nation ça veut dire et nous ballons période pour nous dire nous ça l'a dit. Deuxième bail nous fait c'est que nous consulter avec secteur parce que nous voulons qu'on ça secteur penser tout. C'est eux qui ont nos légitimité. Troisièmement nous à l'écoute de reste société civile là et de population. Quatrièmement nous en consultation avec conseil de gouvernement. Là dans l'état faut pas précipiter rien. Faut une méthode, faut une transparence pour que l'on prenne décision ou qu'à camper sous lui. Soyez assurés d'une chose. Moi-même la ligne priorité moi priorité c'est sécurité. Caché derrière bagage ça, c'est Garry Pierre-Paul Charles. Oh oh. Non, Antonio, cher ami, dit Don Cato, Pierre Espérance avec Caroline Hercule. Nous demandons au CPT de prendre toutes les mesures nécessaires pour révoquer Garry Conille. C'est deux gens pour résoudre le problème là. Ou bien accepter de déposer les armes, il y a lancé les DDR, j'ai pris des brevets le défait, ou bien affronter eux. Mesdames et messieurs la famille, gros nouvelle là, capable de dominer l'actualité, des blousailles pété en tant que Garry Conille avec un membre conseil présidentiel là. Après membre conseil la te fin invité Garry Conille pour l'albay explication sur certains dossiers PM nan qui te refusé présenter côté le te mandé pour yo écarter trois membres conseil là qui impliqué dans corruption nan moment n'a parlé là gon situation de panique entre et Garry Conille ak membre conseil yo côté gain possibilité pour Garry Conille ta perdi job li pendant bandi continuer à prendre espace pendant population pas ka sikile librement ak activité yo bandi presque mette tout moun de la kayo eh bien neg yo nan pouvoir yo chaque ap bataille yo chaque ap goumen pour yo wè ki est capable gain plus pouvoir pour yo faire plus l'argent mais c'est pas nan intérêt peuple haïtien nan moment n'a parlé là signataire accord Montana yo mandé pressé pour CPTA mette do Garry Conille à terre gros complot monté pour éliminer ancien sénateur et ligue de Saint Guy Philippe ak tout l'autre monde qui campait ak ancien sénateur pour mener bataille pour chavirer système ça eh bien d'après information yo moun ki ta caché derrière Zaksa
c'est Antonio Cherami Didon Kato, c'est journaliste Gary Pierre-Paul Charles ak divers autres moun qui t'a impliqué dans complot cap fait pour effacer ancien sénateur Eli Godeslan Guy Philippe. Nous avons divers autres détails importants pour avoir chance de développer pour vous côté ancien ministre de la Justice, Maître Likman Delil, qui a une autre fois encore frappé très fort et il a des raisons pour finir la question bandit dans le pays. Nous avons besoin d'équipe patriote, haïtien, fille ou garçon, qui aime le pays. Ce n'est pas bluffé. Nous avons besoin pays dans l'âme. Un. Deuxièmement. Ou besoin équipe la faut pas gagner rapport de près de loin de très très loin avec gang terroriste. Trois, faut gon volonté politique réelle pour problème de résoudre, faut pas sous bluff. Quatre, faut pas peur. Sous peur, ça certaines presse pral dit, ça bandi pral faire, ça pral dit et ça l'autre monde pral dit ou pas ka faire. Et cinquièmement, l'état est bourgeois que l'état cherche moi bay tête li pour nous affronter gang terroriste ça yo car yo pas fait bac. C'est des moun ka limi des esprit diabolique pas grand rien au monde ka fait bac. Ndede gen moun ka di faut ta parler avec ou parler qui ça. Gouvernement passé yo yo fait tout temps pendant des décisions à négocier avec gang yo. Mais résultat bété tout à genoux. Et son mauvaise stratégie li, stratégie pas bon. C'est deux gens pour résoudre problème là. Ou bien accepter déposer les armes, il y a l'ancien DDR, Jean-Brice Brival le défait ou bien affronter yo. You know lot, c'est pas au ministre et pour un président pour aller par la gang, gon institution que le président s'est écrit que le CNDDR, ou bien accepter par exemple le CNDDR, ou bien l'État affronté. Périsse la colonie demeure le principe. D'accord? Pas de question de négociation avec les terroristes. Que le pays disparaisse, pas de question de négociation avec Mounzaou. C'est pas possible. Il a fait longtemps, il n'y a pas jamais de résultat. Mais côté le mettez nous. Et si nous continuons à faire, nous avons perdu la jeunesse, nous avons perdu le pays net. Parce que tout le monde va entrer dans la gang. Parce que c'est l'impunité, nous avons parlé tout à l'heure. Eh bien. Pour qui ça n'est pas entré dans la gang, il n'y a pas arrivé. Tout petit jeune fille, petit jeune garçon, la majorité de la gang, oui. Si vous ne connaissez pas nos paroles longtemps, il faut prendre précaution, même au Libre Bali, oui. Tellement pays a piégé. Tout jeune petit fou est là, c'est avec gang, oui. Ma pote petite précision, ça, monsieur Telfort, pour tout peuple haïtien capteur de nos quatre coins du monde, monde qui cachait derrière complot, ça, moi, je connais. C'est moun ki impliqué dans des actes d'assassinat déjà qui cause malheureusement à cause faiblesse justice haïtienne moun sa yo flané dans figi moun nous connaît yo nous yo information rive joine nous ah bon qui caché derrière bagay ça c'est Gary Pierre Paul Charles Antonio cher ami Didon Kato, Pierre Espérance avec Caroline Hercule, Madame sa qui vous mettez dans tête ministère justice là. C'est moun sa yo. Son abdi yo là, c'est des informations qui vous déjà connecté ou gen moun ou connecté moun qui derrière sa qui vous là, c'est ça? Ou clés ou ça? Oui, qui prépare complot sa avec ministre justice là qui vous assassine m la kaye mouen. C'est Gary Pierre Paul Charles qui te participé dans le complot pour te kidnapper, sénateur Guy Philippe. Là. C'est Don Kato qui est non cité dans le président Jovenel Moïse. Même Gary Pierre-Paul Charles, Pierre-Paul Charles, qui est non cité dans l'assassinat journaliste Néhémy Joseph. C'est Pierre Espérance qui est non cité dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais faiblesse justice haïtienne. Là. Fait moun sa yo libre toujours pour yo continuer à planifier assassinat moun. C'est moun sa yo qui planifie complot avec ministre justice là pour attaquer la caïmen la nuit. Alors ou d'accord ces zones swap dit là c'est des gros accusations au cité de nom que tout pays a connaît l'ont dit IGPPC journaliste pays a connaît l'ont dit au cité de nom ancien sénateur Antonio Cherami ou cité de nom Pierre Espérance c'est de moun pays a connaît. Donc, ou même ou clair, ou gagne assez d'informations pour faire une déclaration comme ça, pour accuser Mounzao qui derrière sa grivo là. Nous portons plainte, avocat, nous mettons Louis Cher, fait toutes les démarches déjà,
côté que nous porté plainte contre X, mais moi-même selon information que moi gagné, c'est moun sa yo avec Caroline Erkil, ministre justice là, c'est moun sa yo qui planifier l'ensemble avec qui mandé pour l'attaquer dans chef moi. Attaque là pour qui ça lié? C'est une attaque, son attaque chef son ça non capable faire silence.